a révélé le prochain single, c'était tout à l'heure. Il y a l'album qui est sorti, bientôt tu vas prendre en route. Alors moi je voulais savoir, parce que tu as fait beaucoup de premières parties, notamment Zazie, Destino Zucca, Patrick Chéry, Florent Pagny, quel souvenir? Je suis spécialiste des premières parties, j'ai besoin de choper un peu de pas de soucis, je pense à toi. Quel souvenir tu gardes de ces premières parties? Un souvenir, c'est incroyable. Tu sais, quand tu es un jeune chanteur qui débute, c'est que tu n'as plus l'envie, c'est que les gens te découvrent. Hein. Ta musique, c'est tout. Donc, comment tu veux que ça va à l'artiste qui fait vraiment en fait. Oui, mais moi, en fait, si tu veux, avant de faire la première partie sur les élites, je chantais dans des restaurants, dans des bars, et le challenge est le même. Les gens ne viennent pas forcément écouter de la musique, ou en tout cas d'écouter toi. Je pense que le jeu est le même, c'était que. Voilà, de convaincre les gens, le temps. C'est comme du speed dating en fait, une fois. Tu as 5 chansons pour conclure. Voilà. D'accord, c'est un peu ça. Je prends ça comme un jeu. Tu parlais de l'heure de compte, qui est un énorme succès en ce moment, et qui dit succès, lui, ça cartonne sur internet. Il y a des covers qui sont faits dans tous les sens. Ah, c'est incroyable. Tu t'en voulais les servir en créant une page sur Facebook où on peut mettre les covers. T'as un coup de cœur sur un pour avoir un petit peu. Non. Mais je parle. C'est pas qu'ils sont tous bien, c'est qu'il y a effectivement les gens qui tournent. Ça touche, j'imagine. Ah, mais c'est incroyable. Imagine, j'écris cette chanson dans mon salon, c'est pas dans la chambre. Et puis d'un coup, des gens, dans ce moment, c'est par dizaines. Les gens sont beaux, prennent leur guitare et chantent la chanson, se filment. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise pour ça, internet? C'est une sorte de hommage, comme. Ça fait plaisir quoi, de voir ces gens-là qui prennent du plaisir à chanter les choses. Ça fait très 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 plaisir. Et voilà, c'est bien bon. Alors moi, je dois dire un truc que j'aurais pu espérer. Je suis assez étonné, parce que dans l'heure de j'ai le spécialiste de la salle, t'en as pas moyen sur les états. Mais non, mais attends, quand tu les mets sur je me suis mis en mode avion. Maintenant, tu les envoies pas dans l'heure de tu les reçois. En plus. Exactement. C'est même pas si tu et puis c'est son, c'était des SMS d'une période un peu vintage quand même. C'était l'époque où on avait aussi la vie de la limité. Là aujourd'hui j'ai fait encore le Nokia chanson de la salle. C'est vrai, c'était des textos issus de cette période. Merci Mickaël Miro d'avoir été aujourd'hui avec nous sur Redemption. Merci à vous.